Quand on parle du nombre 35 que j'ai écrit ici avec un 3 et un 5, eh bien en fait ce qu'on dit c'est qu'il y a dans 35, il y a trois dizaines et cinq unités. Parce que le premier chiffre qui est ici le, le 3, eh bien lui, il est à la place des dizaines. Ça ici c'est la place des dizaines. Donc dans 35, il y a trois dizaines. Et puis il y a ce chiffre là 5 qui lui occupe la place des unités. Ça c'est la place des unités. Donc, en fait, dans 35, il y a 3 dizaines. C'est celle que j'ai représentée ici. Hein. Tu vois, dans, dans chaque barre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits carrés. Et chaque petit carré représente une unité. Donc là, j'ai un paquet, un groupe de 10 unités. C'est une dizaine. Et en tout, j'ai 1, 2, 3 barres comme ça. Et donc, j'ai en fait 3 dizaines. C'est bien ce que j'ai écrit ici. Et puis ensuite, j'ai 5 petits carrés, 1, 2, 3, 4, 5, qui représentent donc les 5 unités qui sont notées ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre ce nombre 35 et lui ajouter 6. Et en fait, quand on dit lui ajouter 6, ça veut dire qu'on lui ajoute 6 unités. Alors je vais faire cette addition-là et je vais commencer en fait par additionner les unités. Donc ça veut dire que je vais les mettre ensemble, je vais compter toutes les unités qui sont là. Donc tout ça. Je peux les compter directement. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 ici. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc en tout, quand j'ajoute ces 5 unités et ces 6 unités, eh j'ai 11 unités. 11 unités. Voilà. Et puis ensuite, je vais regarder combien j'ai de dizaines en tout. Ben j'ai toujours autant de dizaines que tout à l'heure. J'ai 1, 2, 3 dizaines. Donc je me retrouve avec 3 dizaines. Donc finalement, quand je fais cette, cette addition-là, 35 plus 6, je me retrouve avec 3 dizaines plus 11 unités. Alors là, ce qui est un peu embêtant, c'est que je ne peux pas dire 3 dizaines et 11 unités, puisque dans, dans, dans la place des unités, je ne peux avoir qu'un seul chiffre. Et d'ailleurs, dans n'importe quelle place, je ne peux mettre en fait qu'un seul chiffre. Donc là, il y a quelque chose, il faut qu'on arrive à trouver une manière d'écrire ça plus simplement. Ce résultat est juste, hein, 3 dizaines plus 11 unités, c'est bien le résultat de 35 plus 6, mais euh, il n'est pas dit d'une manière qu'on peut écrire facilement. Alors comment est-ce que je peux faire ça ben, Tout simplement, si je regarde ici, là, en fait, j'ai suffisamment d'unités pour faire un paquet de 10, hein, puisque si je prends ces, ces unités-là, voilà, Là j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est déjà un paquet de 10 unités, donc c'est déjà une dizaine. Donc je peux en fait le remplacer par une dizaine. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une dizaine, voilà. Je vais la mettre du coup ici. Voilà. Alors là, il faut faire attention, hein. il faut bien qu'on se comprenne. Ce que j'ai fait, c'est que ce groupe de 10 unités, je l'ai remplacé par une barre de dizaine qui est ici. Hein. Voilà. Et donc finalement, je me retrouve avec ces 4 dizaines, et les unités, en fait, il ne me reste plus que celle-là, une unité. Et ce que je viens de faire, en fait, ça me permet de réécrire le résultat beaucoup plus facilement. Et pour ça, je vais compter combien j'ai de dizaines. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 dizaines maintenant, puisque j'en ai rajouté une. Donc j'ai 4 dizaines. 4 dizaines. Plus. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne me reste plus qu'une seule unité. Donc finalement, le résultat, c'est 4 dizaines plus une unité. Et maintenant, je peux écrire le résultat ici. Je peux l'écrire comme ça. 4 dizaines. Et puis une unité. Donc je me retrouve avec ce résultat-là, 41. Alors là, on a utilisé les petits carreaux, on ne peut pas toujours utiliser ces petits carreaux comme ça. Par contre, le raisonnement qu'on fait, c'est-à-dire le fait de regrouper un paquet de 10 unités et de le transformer en dizaines, ça c'est vraiment ce que tu devrais faire de tête hein, quand tu calcules de tête. Mais euh, quand tu poses une opération, alors je vais, on va le faire ici, en fait on fait comme ça. Je vais te montrer. Donc tu commences par ajouter les, les, les unités, hein, donc 5 plus 6, ça fait 11 unités. Et en fait, tu peux l'écrire comme ça. 11 unités, c'est une dizaine que tu mets ici dans la colonne des dizaines, et une unité que tu mets ici dans la colonne des unités. Voilà. Et ça, ça correspond exactement à faire ce qu'on a fait ici. Quand tu as 11 unités, tu peux faire un paquet de 10 et il te reste une unité. Donc finalement, 11, c'est bien une dizaine et une unité. D'ailleurs, quand tu écris 11, tu l'écris comme ça. Un 1 pour dire qu'il y a une dizaine, et un autre 1 pour dire qu'il y a une unité. Donc 11, c'est vraiment une dizaine plus une unité, et, et je l'écris comme ça dans l'opération posée. Hein. Et maintenant, ce qu'il faut faire, bah, c'est tout simplement compter le nombre de dizaines qu'on a. On a une dizaine ici plus ces trois dizaines qui sont là. Donc en tout, on a quatre dizaines. Et tu vois qu'on retrouve le même résultat que tout à l'heure. Alors très souvent, quand on additionne ces unités-là, 5 plus 6, ça fait 11 unités. Et ce qu'on dit, c'est qu'on pose le 1, on pose une unité et on retient une dizaine qu'on place ici. Hein. Voilà, ça c'est une manière de dire, mais ce, que, ce qui est très important, c'est que tu comprennes que cette retenue, ce qu'on appelle une retenue, en fait, ça correspond à ce regroupement qu'on a fait là. Donc ça correspond au fait de regrouper nos unités en paquets de 10. Voilà, je pense que c'est important que tu comprennes bien ce mécanisme-là, plutôt que d'appliquer euh, aveuglément comme ça la technique d'addition posée. A bientôt